Léonard et moi avons cofondé la startup Seidos en 2019. Depuis le début de cette année, on est dans les locaux de Bioarc à Monté. On développe une machine qui permet de simplifier la production de thérapie cellulaire. Alors, qu'est-ce qu'une thérapie cellulaire ? C'est des nouvelles thérapies qui sont révolutionnaires contre le cancer. C'est-à-dire qu'on prend un échantillon de sang chez un patient. De là, on isole les cellules de son système immunitaire. Ensuite, ces cellules sont modifiées génétiquement pour reconnaître les cellules cancéreuses, mises en culture et réinjectées au patient. Donc c'est son propre système immunitaire qui va tuer le cancer. Le problème avec ça, c'est que c'est des thérapies qui coûtent extrêmement cher. Donc nous, la mission qu'on s'est donnée avec Seidos, c'est de réussir à automatiser cette fabrication pour réduire au maximum les coûts de production et rendre cette thérapie accessible au plus grand nombre. Maintenant, je vais laisser Léonard vous présenter le Cinetics. L'appareil que nous avons développé chez Seidos s'appelle le Cinetics. C'est un appareil qui permet de mesurer l'état des cellules grâce à leurs propriétés électriques. Pour ce faire, on a utilisé nos compétences transversales qui sont dans le domaine de l'électronique, de la microtechnique, de l'optique et du traitement d'image. Notre produit est composé d'un appareil d'analyse et d'un kit jetable pour garantir la stérilité. Le kit jetable est composé de microélectrodes qui permettent de mesurer les propriétés électriques de leurs cellules et d'en déduire leur état. Et on est actuellement en cours de développement. L'idée, c'est de pouvoir commencer à vendre notre machine fin 2021.